Coucou à vous tous. Bon, allez, je me lance. Il est tard chez moi là. Il est quoi, genre 22h50 déjà? Bon, bref, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Toujours en live, hein. Mais je viens d'avoir une prise de conscience importante et du coup, je me dis, c'est un truc que j'aimerais partager avec vous. Alors, confidence, confidence. Oh. En fait, j'ai une peur, j'ai une trouille, voilà. en fait, je vais organiser là, la semaine prochaine, mon premier atelier de libération de mémoire. Donc, c'est le 3 juin, voilà. Et puis après, en juillet, c'est séjour intensif du 2 au 5 juillet. Voilà. Et le truc, c'est qu'en termes de nombre d'inscrits, il y en a deux, mais sachant que deux, c'est une personne qui est propriétaire du lieu et bah, l'autre personne, bon, bah, je fais un échange avec elle. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, bah, je me retrouve finalement à me dire, ah, mon mental qui a peur et qui se dit, merde, mais qui va payer tout ça? Bah, Bibi. Donc là, se pose plein de questions, de doutes. Alors, est-ce que tu vas diminuer la valeur de ce que tu fais, diminuer le prix pour avoir plus de gens, pour éviter cette hémorragie de d'argent ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Alors, mettre en place des vidéos live, parler de tes vidéos, envoyer des mails dans tous les sens, faire des trucs, machin, newsletter, tout ça. Bon, bref, mon mental qui s'emballe. Et je pense que peut-être que vous pouvez vous reconnaître aussi là-dedans, dans les peurs. Et il y a aussi, ben, heureusement, toujours, merci, ma conscience qui m'observe. Et là, bon, j'étais dans le train, hein, je rentrais d'une formation et je me dis, ok, je vais aller regarder ces peurs et ressentir ces peurs. Voilà, me laisser traverser par la trouille. Et donc, c'est souvent, mais sous forme de méditation, c'est-à-dire je relâche mon corps et je laisse venir et je pose mon intention, ma question et voilà, je ressens toute cette peur à l'intérieur de moi. Donc bien sûr, je comprends que j'ai besoin de traverser des choses, etc. L'avantage de tout ça, c'est que je vois encore plus en fait toutes ces peurs, tous ces mécanismes que je vis hein, finalement tous les jours, mais comme ça, c'est encore plus fort, il y a un enjeu encore plus fort derrière, ben, du coup, je le vis encore plus et je le vois encore plus aussi. Et donc voilà, donc j'ai, en tout cas, ce que j'avais vu, mais ce qui est important, ce n'est pas de comprendre avec le mental, mais de ressentir et de l'accueillir avec le cœur. Donc du coup, les moments de méditation, c'est les moments d'accueil dans le cœur et dans le corps aussi. Donc voilà. Les peurs hein, sur bah, avec aussi les besoins de reconnaissance les doutes sur bah, sur mes capacités sur ma valeur hein, quelle est ma valeur dans tout ça voilà et le plus important et là j'ai pleuré quand j'ai pris conscience de ça dans mon corps c'est quand j'ai entendu une voix dans ma tête qui me dit Zhong. Peu importe le résultat, même si le résultat c'est qu'il n'y a personne qui vient, personne qui s'inscrit, ou très peu, pas comme ce que tu aurais l'habitude d'avoir en tant que succès, pas dans les critères de succès de ton mental. Est-ce que tu t'aimes toujours? Waouh! Et même là, en fait, l'émotion est toujours là. C'est la reconnexion avec moi-même. C'est en fait une sorte de test ultime entre guillemets, mais c'est simplement bah voilà, tu traverses ça, peu importe la reconnaissance de la valeur des autres personnes, peu importe en fait bah, la manifestation des événements, est-ce que tu t'aimes toujours? Est-ce que tu reconnais toujours ta valeur? Que les gens viennent ou pas, que les gens disent que c'est bien ou pas, est-ce que tu reconnais toujours ta valeur? Est-ce que tu t'aimes toujours? Et ça, c'était super fort en moi, dans mon corps. Et je dis, mais oui, c'est ça. C'est ce que je fais, en fait, jusqu'à maintenant, en conscience. C'est cette quête, ce chemin d'amour et d'acceptation de soi inconditionnellement. Je suis sur le chemin.
Donc bien sûr, parce que je suis sur le chemin, que toutes ces choses viennent à moi et me testent. J'aime pas trop ce mot tester, mais c'est-à-dire que ben voilà, ça me permet en fait d'aller voir les choses encore plus en profondeur. Parce que imaginez que tout se passait bien sur les rails, ben je ne ferais pas d'effort en fait pour faire tout ce que je suis en train de faire là. Je ne vais pas me dépasser, je ne vais pas utiliser toute ma créativité, je ne vais pas aller regarder et ressentir mes peurs. Et là oui, et surtout contacter mon amour pour moi, ou l'amour et ma valeur. Et c'est-à-dire que sur ma question, mais est-ce que je baisse le prix, est-ce que je fais un, voilà, eh ben non, j'ai pas envie en fait de dévaloriser mon travail au nom de d'une communauté qui a besoin de quelque chose. Bien sûr. Enfin, moi, je vois cette vie comme un buffet et il y a pour tous les goûts. Et moi, je suis un plat avec un goût propre à moi et que la personne, les personnes, la communauté qui correspond à moi viennent à moi. Et si en fait mon goût il change constamment, bah, et en plus que je change en fonction de la personne qui passe, eh bien en fait, je vais me perdre, je vais plus me reconnaître. Et le temps aussi, c'est aussi ça, c'est est-ce que je reste en fait dans cette valeur, dans ce goût-là, jusqu'au moment où ben la personne qui recherche ce goût vienne à moi. Et je laisse venir à moi. Je ne vais pas aller essayer de bricoler pour qu'on se dise, ah tiens, ben, je vais peut-être goûter ça. Je dis, ben voilà, voici ce que je propose. Vous aimez pas, c'est ok. Mais voici ce que je propose et je suis fière, je suis contente de ce que je propose. Et voilà, même si vous ne m'aimez pas, il y a des gens qui préfèrent gâteau au chocolat plutôt que gâteau à la framboise, j'en sais rien. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que le gâteau à la framboise, il est pas bon. C'est juste que c'est en question de goût et chacun a quelque chose qui convient. Et ben moi pareil. Alors donc je voilà, ce moment-là pour moi en faisant cette vidéo, c'est aussi pour moi-même pour me témoigner, ben, tu sais, donc, à quel point je t'aime. Qu'il y a des gens qui s'inscrivent ou pas, c'est pas grave. Et tu connais la valeur de ce que tu fais, la valeur de ce que tu proposes. Ce n'est qu'une question de temps. Et là, reste aligné avec ta valeur, avec qui tu es, avec ce que tu as envie de proposer. Et laisse venir ceux qui ont besoin de venir vers toi. Merci à vous d'être témoin de ce moment de moi avec moi-même. Et peut-être que ce témoignage pourra aussi vous inspirer, vous parler. Et moi, j'ai envie de vous dire, ben, allez-y. Si vous avez envie de faire quelque chose, de proposer quelque chose, et que ça vous fait plaisir, et que c'est ça que vous avez envie de faire, eh bien, faites-le. Faites-le à votre manière. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous modifiez ce que vous proposez? Est-ce que finalement, c'est pour faire plaisir réellement à l'autre, un doute? Ou est-ce que finalement, effectivement, ça prend réellement sens dans votre alignement, au plus profond de votre vibration? Et même si vous le faites inconsciemment ou par peur, c'est pas grave. L'importance, c'est de le faire en conscience et de vous observer. Et à la fin, vous faites un choix. Tout comme moi, je fais mon choix pour l'instant, ben, de garder ce qui est. Et de continuer à y croire. Et je sais qu'un jour cela va payer. Et le terme payer, c'est pas forcément comme le mental pourrait imaginer. Ça sera peut-être autrement. Mais je sais que tout ce qui vient à moi, ce sont des cadeaux. Simplement, est-ce que je le reconnais ou pas? Voilà. Allez, je vous aime et à très bientôt. Et j'espère que vous allez continuer dans votre chemin de vie
avec l'accueil de vous-même en vous aimant, peu importe les résultats, en reconnaissant votre valeur, peu importe la reconnaissance que les autres vous donnent ou pas, ou que vous avez, quelle que soit la perception de la reconnaissance que vous avez des autres. Voilà. Bisous, ciao, ciao.